c'est un dossier que la collectivité prend en main parce qu'on a investi très lourdement, très fortement sur le quartier de Pontanezen dans des équipements. Ce n'est pas pour qu'ils soient fermés. Je pense que cette situation ne peut pas durer sur longue période. Il faudra donc que le service public, c'est le principe même du service public dit à la française, fasse jouer son rôle de continuité. Ça veut dire qu'il faudra reprendre. Et c'est une question qui sera évoquée demain en conseil municipal. Moi, ce que je pense, et ce qu'on a commencé à engager, c'est que si l'association Horizon n'est plus en situation de gérer le centre, il faut solliciter une autre association d'animation de ce type de centre. On ne va pas anticiper sur des décisions qui vont être prises. Il y a des contacts qui sont pris. Voilà.